Premier ministre Garry Conille fait tout le monde saisir ensemble avec déclaration ça. Gade bagay ou tende, c'est comme si m'ta djou ou sentou flou ou pas konne qui ça pour dire ou pas konne qui ça pour faire. Parce que ou pas jamais te attendre avec yon bagay comme ça. C'est comme si m'ta djou place ça premier ministre là et occupé a. Li pa supposé occupé, li ta juste bay moun li pral comme si m'ta djou menen lan. Est-ce qu'on wè bagay yo en pilou mes amis? Nous pral tande exactement qui est premier ministre Garry Conille dit qui pral menel nan tête primatia. Pral menel oui, pral dil tout ça pou le faire nan tête primatia. Si moun sa ta décidé pou le dil comme ça que ah docteur Garry Conille pas fait ça, pas fait ça, pas fait ça et puis ça ta supposé bon pour pays d'Haïti, eh bien nous prenons pour lolo. Nan ki la bouyi nous prenons la même. En tout cas mes amis, nous pral tande exactement qui est-ce qui pral diriger premier ministre Garry Conille nan tête primatia. Yon l'autre information encore pour connait mes amis, dossier Washington nous connaît et docteur Claude et ancien premier ministre pays d'Haïti, nous connaît déjà, li déjà pral poser candidature li pour poste président. Et bien nous connaît te gen un dossier qui te lagué sous dol mes amis dans affaires ministère affaires étrangères. Et bien jodi a la gen un petit parole en bas qui a parlé bon nous connaît ça. Haïtien a sero manger le plus souvent, yo gen pa di ah yo pa bon la dan yo serel mais yo pa sero parole. Alors m pa di pour tout moun nou mes amis, ça c'est un proverbe lié. Eh bien, li pral expliquer exactement pour qui ça c'est choix madame Dominique Garry Conille fait nan tête ministère affaires étrangères. Gen en pile moun ki di konsa ke yo ap tan travay madame nan. Hey, nou pral tande koze wi peyi d'Haïti. C'est vini tande. Nou konnen fòk mwen di nou bonjour ou bonsoir. Non, mwen sa m pa konnen ki kote ou ap gade nou, mais la seule chose, si toutefois ou poko abonné ensemble avec Chanel ça, ki sa ap tande abonné. Lò fin abonné, te m di ou toujours sonje pou pèse ti cloche la ou retire le metel sou tout ou konn pou ki sa, chaque fois nou mete yon vidéo, l'ap monte sou téléphone ou. Mes amis, pour nous continuer ensemble avec information, nous connaît méthode là déjà. Puisque gen un gouvernement qui là c'est déchouquer gang, déraciner gang, parce que yon jeune garçon qui baille tête li pote non gang qui a mette la trouble dans pays d'Haïti, qui sort ka fait ensemble avec lui soit prison ou bien et c'est métier c'est comme ça, parce que c'est ou même qui mettait tête ou là donne, c'est pas moun qui mettait tête ou. Et bien c'est ça qui fait gen en pile moun qui était content ensemble avec nouveau gouvernement ça qui monté à mes amis qui pral passer de l'année ensemble avec nous pour gérer causer élection. Mais nous connaît pouvoir dans pays d'Haïti, c'est pas un bagage qui petit, parce que gen des série de postes ou pas ka manger comme ça. Non, ou pas comment yo konsa yo gen met yo. Même si ou e moun sa la dan, c'est comme si m'dal du premier moun ki te la dan nan, c'est toujours li même ki la. Passe pour ou ma passe chèche ou. C'est comme ça bagay la yon pays d'Haïti. Eh bien, mes amis, Nesmi Maniga ki te nan tête éducation nationale. Ah, en pile l'école, même toilette ti moun yo pa gen pou yo pipi, ba yo krasé. Gen l'école si moun yo pa gen ban. Gen l'école comme si m'ta dou yo ta supposé plus travail, mais po job yo pa ka wè programme nan vrai. Gen pile l'école si moun yo pa gen livre. Et bien c'est ça qui fait en pile moun ap rele yo di konsa ke yo pa tab jam reme pou Nesmi Maniga ta tourner nan tête ministère éducation nationale encore. Parce que yon dit comme ça que élève yon vin fay fay, parce que nous connaissons élève haïtien yon même le yon grand goût yon travail et yon fort. Nous connaissons ça. Et bien, gen en pile moun ki ta plenye yon dit comme ça que yon pas d'accord vini nan tête ministère parce que li pa bien travail. Et puis, jounen jodi yon, même Garry Conille nous abtonne pour vin travail d'emblée, et bien, qui est-ce li dit comme ça que ki pral? Dit tel qui ça pour le faire dans tête primatia, c'est Nesmi Maniga. Alors Nesmi Maniga c'est bon cocorda il est lié bon ami et le dit il pas bois affaires ami. Est-ce que ouais ces affaires peuple pour le régler? Et bien mes amis,
en pile haïtien saisi bagaille ça yo dit comme ça comment fait ou monter dans tête primatien comme premier ministre et puis ou dit comme ça que c'est un monde qui pral dicto puis toi te bay moun ça place là fini puis toi te dit comme ça que ah m'pa capable gérer place ça Nesmi Maniga ka fait le pi bien passé parce qu'elle pi fort passé bon mal gérer place ça au lieu où t'a fait peuple haïtien ça qui attend nous pendant cette yo t'a couru derrière Nesmi Maniga dans tête éducation nationale et puis ou dit comme ça que c'est lui qui pral diriger ensemble avec ou alors c'est lui qui pral di ou qui ça pour faire en tout cas premier ministre Garry Conille c'est ou qui a diriger ou capable dit comme ça que ou pral travail de concert ensemble avec moun sa yo qui directeur cabinet a OK yo capable bo quelques petits conseils mettez sou pa ou yo mon lo chita ou dit comme ça c'est yo pral dicto la ça li même li pa faire haïtien plaisir du tout m'pa parler trop dans dossier ça mettez oreilles à l'écoute pour qu'attendez petit parole ça côté premier ministre Garry Conille dit comme ça que c'est Nesmi Maniga qui pral dictel qui ça pour le faire. Tendez oui, tendez avec attention. Et puis dit qui sont pensés. Volontairement chef choisi deux personnes qui ont été ministres. C'est pas par accident. Steve Jobs disait que si vous voulez réussir dans une entreprise, faut un gens pour tout le monde choisir puis faut passer dans le domaine spécifique. On choisit deux monde que moi qui puis faut passer dans le domaine pour lequel moi relève. C'est comme ça qu'on réussit. Bah là vous dit où ça vous fait, c'est yo pour le dire ça. Ma bonne j'ai fait confiance, ma bonne j'ai quoi là yo, ma bonne j'ai tout évidemment tenu imputable et responsable de décision. Les gens qui nous amènent aujourd'hui, les gens qu'on a choisi aujourd'hui, ce sont des gens de qualité avec lesquels j'ai eu l'opportunité de travailler sur plusieurs années, dont j'ai été moi-même le juge de leur caractère, de leur engagement pour notre pays, de leur détermination à faire avancer les choses, de leur approche moderne de la chose haïtienne, de leur vision et de leur expérience nationale et internationale. Je pense que j'ai choisi ce que nous avons dans une génération, ce que nous avons comme peuple à offrir de mieux. Et je remercie vraiment d'avoir accepté ce que je trouve qui est une lourde responsabilité. Les deux pourraient peut-être en train de faire autre chose. Ils sont là à ma demande. Et une démarche continue, parce que pour moi, ça n'avait été facile de les convaincre. Mais tout dit ça. J'ai dû travailler vraiment pour leur demander de venir nous aider et nous supporter. Mais je pense qu'avec ce que vous avez comme atout, comme qualité, comme expérience, ajoutez à eux ce qu'ils amènent en termes de perspective, en termes de vision, nous allons effectivement pouvoir sortir notre pays de la situation où elle se trouve. Je vous demande d'être solidaire à l'équipe. C'est une équipe dynamique, dévouée, déterminée, axée sur ce qui nous lie, qui est la compétence et l'amour de notre pays. Donc, c'est ça que j'attends de vous. Et chers amis, c'est ce que je vous demande d'offrir, par exemple, ce leadership. Je veux qu'on soit toujours accessible au staff de la primature. Je veux qu'ils puissent contribuer à ce qu'on fait. Je veux qu'ils puissent effectivement participer aux efforts que nous avons faits. Je veux que vous soyez aussi co-responsables des résultats. Merci, merci Kak. Et merci Nesmi d'avoir accepté vraiment courageusement d'ailleurs ce grand défi. Je sais qu'on va s'organiser. Je comprends que les choses sont difficiles, mais croyez-moi, je vois là où on avance. Hein. Je pense que la population haïtienne est prête à avancer avec nous. Donc il faut qu'on puisse donner ce signal de confiance, ce signal clair qu'on a une vision, qu'on a une direction, qu'on sait où on va amener les gens et je vous garantis qu'on va aboutir. C'est un moment historique que nous vivons là. Et c'est notre moment, c'est le moment de notre génération. Nous devons nous montrer à la hauteur. Voilà, nous sommes côté déclaration premier ministre Garry Conille, gagnant ancien ministre de l'Éducation nationale, là, Nesmi Maniga, qui remercie ministre, premier ministre pour confiance l'État Sénali. Après expérience professionnelle, il a été gagné ensemble. Nesmi Maniga dit ça va le permettre lui-même, en collaboration avec Camille Junior Edouard, travail à premier ministre pour aider le pays à traverser ces moments difficiles. N'a pas côté un extrait dans la déclaration. Merci. Confiance qu'on fait, pas parce que nous sommes amis, confiance dans une longue relation de travail, une relation professionnelle comme bien, qui permet que nous découvrions chaque qui j'en remet à Haïti, qui j'en engagé dans pile travail de transformation pays, et qui j'en capable, dans l'occasion comme ça, faire route l'ensemble. Donc, merci pour confiance ça. Et après, discours faire, qui pratiquement tracé fin de route, qui j'ai pour cabinet à fonctionner, on va prendre parce que KSA, pour nature, l'envisage ça, en pile dans l'eau, c'est pas la première fois que je vais en pile dans l'eau, tout, nous avons habitude de travail. Et moi, prends temps pour m'entendre dans toute sorte de là, qui j'ai pour travailler avec non seulement engagement, honnêteté, professionnalisme, mais empathie, feedback,
Donc, porte directeur cabinet a toujours ouvert, disponible pour l'apprendre, pour le comprendre et pour le construire ensemble avec nous, solution qui fait que mandat, mission pour le ministre Gary Koniguer, nous tout qui là, nous aider tous les jours, nous travail ça. Gon l'autre dossier encore, mes amis, qui a fait parler en pile. Nous connaissons Madame Dominique Dupuy qui est ministère Affaires étrangères. Il y a un peu de monde qui a dit comme ça que yo a tant Madame pour le travail. Mais ça fait pour pétrole non poste yo ça faut que ça fini ou dans pays d'Haïti a fait où est on mon non poste pendant ce temps mon n'a pas qu'à travail là bagaille ça a dit oui mais mes amis même les Gary Koni dit salte dia est-ce que ouais nous a espéré yo faire mieux. OK, nous a espéré yo faire mieux parce que en pile monde dit comme ça que Gary Koni juste là mais c'est l'autre monde qui prend le travail. Nous a espéré yo faire mieux. C'est même j'en parole ça moi parle dou là mes amis à faire ministère des affaires étrangères là et bien docteur Claude qui c'était ancien ministre affaires étrangères tout gen un dossier Washington qui était chaud sous doli et bien information t'a fait quoi que dossier ça pas jamais moyen sous madame là a fait moyen non pas gain bagaille comme ça ouais pays d'Haïti pouvoir Haïti c'est gros causé et puis qu'il y a un paquet l'autre parole qui parlait encore même pays d'Haïti nous a bat bravo pour Gary Koni qui monter qui prend le travail qui ça nous a fait c'est tant nous carton après ça rien c'est ça que fait toujours dit comme ça que on pas voyer toya on pas dit ceci on pas dit cela on tant yo travail malgré que ça le dit à bouler mes amis entendez avec en pile attention information ça yo qui ça qui cause madame Dominique Dupuy n'a pas ça à côté lié ça important oui pour tendez pas quitter vidéo ça parce que sous quitter l'o perdre en pile bagaille entendez ensemble on deal qui gagne entre Gary Koni et Claude Joseph, c'est quoi le deal côté annoncé qu'on a expliqué le clair pour payer à matin? Bah, m'expliquez-nous bien de ce qu'il en est. Mm-hmm. Pour moi, je pas qu'on est Gary Koni. Gary Koni, et je vais montrer nous un indicateur clair pour nous comprendre. Gary Koni, joue ça à nous là. Monsieur a une acquaintance avec un homme politique qui était posé candidat en Haïti en 2015. Que le docteur Dalmasi qui est très influent dans la diaspora. Docteur Dalmasi, et docteur Dalmasi. Kessler Dalmasi, Kessler Dalmasi. Alors, docteur Kiri le matin là, il dit que Kessler Dalmasi, il y a qui est en mille. Parce que vous avez cité nous, il y a dit la bonne frisson, à profit de la guinosa. Il y a docteur Dalmasi. Kessler, il y a tout lui-même. Oui, docteur Dalmasi, c'est. Non, docteur Dalmasi lui-même, c'est nég. Oui, dans Brooklyn, monsieur opéré. Et monsieur était condamné par la justice américaine en 2021 pour corruption dans l'exercice de métier. Ok, so, si on était déjà épinglé, il était en affaire avec la justice. Son ancien condamné. Monsieur était posé candidat. Yeah, yeah. Okay. So, basically, c'est la Kaili, Kaili Dalmasi, que Claude a fait réunion jusqu'à ce qu'il arrive côté l'IA. Faut nous comprendre bien l'enjeu dont il est question. Par la pays, C'est la bastion anti. Mm-hmm. C'est la bastion chita rencontre les grands hommes, les nègres politiques qui vini et l'autre bois, les matéli descendent. C'est là. Il y a le chita pour discuter en quelque sorte du rôle de place diaspora en dedans politique, en dedans pays d'Haïti. Faut comprendre comment il est influent de la communauté haïtienne à Brooklyn. Mm-hmm. Maintenant, ce qui est important pour comprendre le lien, c'est que y a partagé, y a deux sœurs ensemble. Madame Koni, Gary Koni. Oui, Madame Koni et Gary Koni, et qui c'est Betty, en quelque sorte Betty et Rousseau Koni, et Madame Betty Rousseau Koni. Madame et Dalmasi, c'est sœur. Ok. Ça veut dire madame, que non. Madame Gary Koni avec Madame Docteur Dalmasi, c'est sœur. Oui, c'est sœur. Il y a très rapide, ça veut dire lien Dalmasi avec lien Koni. C'est deux, c'est bon bagay. Okay. Maintenant, vous avez trois nègres qui trouvent yo là, dans le pouvoir là. Vous avez Dalmasi, vous avez Koni, vous avez Claude Joseph. A remarqué. Ok. Qui est-ce qui propose pour le ministre Affaires étrangères là? Pour être capable, Dominique Dupuy, pour être capable, en quelque sorte,
représenter, aider non dans conseil présidentiel non conseil présidentiel c'était aider c'était Claude maintenant qui est-ce qui retourne avec elle comme ministre affaires étrangères vous pensez c'est Gary Conny non bon nous pas Gary c'est Claude qui vient avec elle c'est Claude qui propose elle Gary Conny à travers Dillon pour gérer question corruption Claude Brochit en dedans ministère affaires étrangères. Non, on va parler là. C'est Claude qui propose la Gargoni, madame Dupuis. Gardez, t'aimes ou bien. T'aimes ou bien pour comprendre. Peut-être que vous ne pas comprendre. Et m'a parlé à tout. Nous-mêmes, je dis ça. Nous parlons ça dans un an, dans deux ans. Parce que en réalité, ce dont il est question là, c'est que dossier corruption qui n'a ministère affaires étrangères là, il a joué pieds et mains. Claude a joué pieds et mains pour ne pas jamais, pour ne pas faire surface et pour ne pas hypothéquer potentialité en termes de l'élection qui va venir là. L'avenir politique. Et coup de 400 que Claude fait là, c'est un calcul politique. Et nous parlons que j'ai commencé à plein dans la classe politique là, parce que en réalité, madame Dupuis n'a pas réglé rien dans le ministère des Affaires étrangères en termes de combat de corruption. Guys, marquez ça, Mdoula, là. Ah bon? Oui, aujourd'hui, elle apprend. Vous pas besoin de faire comme ça. Sous. Ah, camarade. Tu m'expliques bien, vous pensez. Je parle de ça, là. Ouais, dossier corruption Washington, là. L'implique Claude Joseph. C'est bien. À travers J'ai l'homme juste qui s'est cousin Claude, juste Nanzo. J'ai l'homme juste. Cousin Claude. C'est Claude qui dénomme J'ai l'homme juste. Et aucun bébé monsieur, côté que $50,000, un paquet de $50,000 américains à sous Chili, qui peut aller directement dans l'adresse la cagne J'ai l'homme juste, alors qu'il t'a supposé aller dans l'ambassade là. Okay. Écoutez bien de ce dont il en est. Et le pire, je dis à la, tout jouet Claude Tegué, dans la diplomatie, a tout retourné en une fait surface. Ou sont si ton jeune homme là qui paraît un petit genre bizarre, qu'est-ce qui t'a nommé Erwil dans l'ambassade d'Orlando? C'était Claude? Claude Joseph? Oui? Libé Crop, il n'y a pas fait audit. Audit révélé le Bécrop et consulat Orlando. Est-ce que ça t'a voulu dire que l'écrasé consulat plat? L'écrasé plat. Est-ce que diplomatie a indirectement lié avec Claude Joseph? Micro. Mais c'est ça Claude fait là, oui. Il prend indirectement pour tout faire l'affaire là, c'est ça le fait. Gary Conny t'a déjà dit que t'es déjà voulu qu'il y ait un ministère, ça, professeur. Gary Conny t'a déjà voulu qu'il y ait un ministère. C'est en fonction de l'enquête qui t'a déjà mené. Ou elle garde qui ça va galayer. Et comme si nous pas besoin d'attendre grand chose. Bon, deal, bon compromis. Ok. Nous, quand il y a naïveté à commencer à arriver trop loin, parce que tu me dis non, tu bagailles. Vrais enjeux, c'est un enjeu électoral. Ok. C'est un enjeu électoral. Tout le monde a battu pour faire mes mises et puis pour consolider le pouvoir, empêcher que des cas de corruption ne pas révélés, pour ne pas limoger sur cette politique-là. Oui. Et pour cela, ils sont obligés de mettre Gary Chita. Ok. Gary vini au ballon de Chita, ils ont ramené à l'ordre. Et puis qu'on y a. Mais c'est d'abord les vite, il fait le composé. Oui, il encadré Gary. Il dit bon, écoutez, Chita là, mais comment on va la faire? Et c'est ça que fait Gary, il était aussi tomaqué parce qu'il n'a pas de pouvoir dans le même. Il regarde, il n'a pas de rien. Il dit mais comment on va la faire? Ouais, position ça, c'est un tel ou à mettre là-dedans. Nesmi Maniga. Position ça, mais quand tu vas mettre un tel là-dedans. Qu'on y a sous-remarqué bien, tout ça Gary promesse, Gary te fait, si vont te souffler, pense Gary t'a pas combattre la corruption, nous remarquons que ce sont les corrompus qui sont encore au pouvoir. Au clair, oui. Et journée aujourd'hui, ils vont un message fort, by pop, ils ont côté positif là-dedans. Côté positif là-dedans, c'est que c'est face à l'insouciance du peuple haïtien pour les cas de corruption. Et qui mettait nous là aujourd'hui là. Nous, en quelque sorte,
toujours voulu fermer les yeux nous sur situation ça parce que nous estimons que ces hommes sont des hommes puissants. Mm-hmm. Système non puissant. Système n'est pas aussi puissant tout autant qu'il y a volonté pour combattre système non. Lorsque choisi entrer dans le système non, collaborer avec la classe politique ça, ou à bénéficier quelques avantages, mais ou à venir l'autre compu plus mal et ou à faire du tort à l'avenir de la nation, à l'avenir population ça qui est déjà dans la classe. Mais cependant, si vous avez un minimum de conscience historique, pour comprendre que pendant 200 ans qui passaient là, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut une rupture. Mon cher Mabdou, on va obligé à engager sur une voie de une nouvelle Haïti à travers une rupture, côté que pour accoucher une révolution, pour changer ça. Mais sinon, c'est toujours même maquillage ça, il y a bail. Et maintenant, tout ça, qu'on y a venu, la fait élection. Et puis pas étonner nous pour nous ouais, même figure politique classe politique qui des dossiers Petro-Caribé qui des dossiers CIRH qui n'a dossier CNU qui n'a dossier FNE tout nèg ça y aurait tourné refait surface encore parce que mécanisme de corruption ça y a pas qu'à quitter l'éclaté. Il n'y a que la révolution qui peut juger tous ces chenapans, tous ces corrompus, pas de l'autre bagaille qui a fait. Ou pas qu'après Gary Conny pour dire Gary Conny pour aller arrêter, pour aller bataille contre la corruption. C'est une aberration. Parce que même la communauté internationale impliquée dans la corruption en Haïti jusqu'au dents. Et c'est Mounsa qui représente, c'est eux qui imposent là. Ah, Kama. Ah, papa, était tout menti. Des révélations ont été faites en 2000, dans l'élection 2016 aux États-Unis avec Trump. Et tant pour être, on va attendre des dégâts par le palais là. Les Trump va faire débat avec, dans le débat présidentiel qui parle des États-Unis. Ma dit un petit bagage aujourd'hui là. Nous connaissons clair que des investigations ont faites au niveau entendez dans le pays d'Haïti, surtout avec cas de corruption qui sont passés là. Est-ce que nous connaissons que des congrès américain, un parti républicain, déjà passé de l'ordre, en commission montée là, ils ont passé de l'ordre avec des agents CIA, FBI, pour mener des enquêtes en matière de ça qui a passé dans le pays d'Haïti là, en termes de corruption et d'insécurité, pour fournir avec Donald Trump. Pour qu'on ait comment vous pouvez adresser dossier ça dans le débat présidentiel, retenez le débat présidentiel, vous parlez des révélations parfaites. Dossier Haïti a au cœur des événements, dans le débat présidentiel, là. Retenez le débat présidentiel, vous parlez comment Jovenel Moïse mourit. Ah bon? Ou pas c'est arrivé ça? Camarade. Vous avez ça pour nous là dans le débat? Partisan. Vous avez dit que vous avez clair. Tout ça qui est passé en Haïti, depuis. Là, mon président, pour y venir journée aujourd'hui, là, retourne dans le débat présidentiel face à face. Et Trump avec Biden. Vous pouvez comprendre pour quelle raison vous venez au programme Biden. Vous pouvez comprendre pour quelle raison l'insécurité, vous ne pouvez pas combattre dans le pays d'Haïti, vous êtes obligé à aller au Kenya. Vous pouvez comprendre pour quelle raison. Mais yo descend en bas conseil de contrat qui pral paraître faire surface c'est dans débat ça pral connait yo. Et c'est là le problème, c'est que nous on a fait avec une mafia internationale qui en quelque sorte crée des crises systémiques dans le pays d'Haïti pour yo capable profiter. T'aime dire un petit bagarre en matière de mafia internationale. Est-ce que nous connaît En pile nèg au niveau international, c'est sous crise dans pays sous-développé, yo vin riche. C'est sous crise, c'est sous grand goût, c'est sous misère, c'est sous tremblement de terre, c'est sous crise humanitaire, c'est ça qui fait avec pa yo. C'est sous guerre, yo vin riche. Yeah. Parce que gon bagay yo relé au niveau international pour tout le monde qui peut-être pas maîtriser. Yo li et mécanisme de gestion de crise et de risque. Son gros outil lié en matière de diplomatie et humanitaire. C'est la donne que nèg yo collecter des fonds au niveau de la communauté internationale pour justifier à travers des crises
politique, humanitaire dans des pays sous-développés. Et en retour, yo mette moun corrompu qui pou pote kobba yo bak pou yo assurer élection électorale yo et élection yo renouvellement politique yo au niveau des grandes puissances. Et comme ça game nan ye. C'est ça ou li. Oui, pour payer en quelque sorte pour play. Ou payer pour jouer game nan après ça en retour, yo vinn jeune bon d'ailleurs, c'est même bagage ça t'écrasé qui t'ai fait écraser. Yo t'écrase une fondation aux États-Unis. Alors, faut nous connaître bien pour nous comprendre deux. Donc là, pour Nateri et vous la voisine, nous saluer et notre le moine Bono qui débarque là, qui est déjà arrivé dans le studio avec nous. Nous allons le recevoir tout à l'heure. Pour nous finir, il est clair que le système là prend place. C'est le même groupe que nous avons sous table d'écrit là. Et il y a un monde qui a battu le contraire. Mais nous avons un visage, peut-être que nous avons une volonté au commencement pour le défendre. Mais nous avons des gens qui même monde qui envahit là. Donc nous n'avons pas espérer grand chose. Bon, terminer pour me dire un bagage. On allez. Je termine pour me dire ça, je dis à la m'a parlé avec vous-même et avec tout l'autre monde, tout auditeur. Solution maquillage, ça, nous devons apprendre, nous devons rejeter. Ça dépend de volonté nous, de l'esprit nous. De détermination, non? De capacité, non? Parce que je m'en dis un bagage, tête couleur là, les gars t'en coupé, c'est quel cap bat là. Maintenant, nous avons deux choix. Peut-être pas ici en trouver à la croisée du chemin. Nous avons deux choix. C'est soit vous toujours continuer dans même jouet ça pendant 200 ans, ouais, game là, ou bien vous accepter d'épouser alternative révolution ça qui offre là comme exit. Nous avons une seule chance là. C'est soit vous prendre. Yo tenté chanceux par elle, yo accouché en rupture, ok, qu'on a transformé, yo accouché en nouvel état, et puis pour une nouvelle société, et puis yo parti dans le bois. Et puis deuxième bagaille tout, faut nous garder, géopolitique là. Géopolitique là, commencé à connaître des chiffres considérables là. C'est-à-dire que, bagaille nous te qu'on a pensé yo, yo pas encore, et démonstration de tout fait là avec la Russie, on vient de montrer en clair que paramètres yo, au niveau international, géopolitique et stratégique ont commencé à changer. C'est là comportement esclave que nous te gagnons vis-à-vis de l'Occident, il faut que nous commençons à repenser. Et épouser une autre vision d'Haïti selon l'esprit de la révolution de 1804. Pour nous connaître que nous sommes un peuple qui est libre, qui est autonome, qui est indépendant, nous capables de décider du destin, nous, et gérer, en quelque sorte, aux sources que nous gagnons sous sous-sol, nous, sans que nous n'ayons pas besoin, en quelque sorte, esclaves et quitter les grandes puissances occidentales à profiter donc, de donc, nous. Donc là, vous la voyez, nous avons besoin, pour qu'à tout finir, pour permettre de tout finir avec ça, nous avons besoin de jeunes de Dilva Dimidizi, pour le dire à l'ébier, ou pour le débloquer. Quelque petit bail là, activité pour le reprendre. Mais statu quo, système dans l'a maintenu, c'est même bagaille. C'est sous l'insanouillé. Oui, mais c'est l'objectif primordial, sauver. Le blanc est venu au secours, il vient avec même un petit nègre, vient renouveler le système là, ok, vient régénérer le système là, et puis mettre un maquillage, on y allait mieux, et puis puisque le peuple haïtien n'est pas exigeant, il n'y a pas d'ambition grande, il n'y a pas visé. Ouais, depuis le jeune, on t'y dur, on t'y poids, on t'y maïmoule, on t'y petit à l'école, il n'y a pas besoin grand, il n'y a pas pensé avec de grands projets, il n'y a pas pensé avec des trains, des routes, des ceci, des cela, il n'y a pas fait des exigences. Mais tout simplement, c'est qu'il y a juste besoin. T'aimes terminer pour me dire un bagage, je finis. N'abtoufine. Nous n'avons pas des visionnaires, non, en dedans pays d'Haïti. Est-ce que nous, j'aime des grands travaux faits en dedans pays? Est-ce que nous j'aime tant des nègres à penser d'infrastructure en termes de train, en termes de route, en termes de pont? Il n'y a pas jamais fait ça. C'est une carence en matière de vision que nous gagnons. Nous avons des hommes, système n'a accouché des hommes qui ramollissent au niveau de l'esprit. Nègres, en quelque sorte, viennent tourner des mollusques, des invertébrés. Ils sont incapables pour venir avec un plan, pour dire blanc, voici ce qu'il en est aujourd'hui. Mais côté nous voulons aller, si on a collaboré, viennent collaborer, si on n'est pas capable, on a parlé sans vous, mais c'est ça nous voulons. Nous prenons destin en main. Nous pouvons arriver à jouer un calibre. Maintenant, au contraire, si nous gagnons des hommes et des femmes qui voulaient inscrire dans la perspective, ça, nous
nous capables toujours continuer à faire le mandat esprit du sacrifice, ce que nous pas gagner actuellement là avec des hommes et des femmes qui sont terrain. C'est ça de faire ouais, je ne veux dire, il y a décrié le discours révolutionnaire parce que trouver les inscrits dans perspective de radicalité qui trop pouillot, parce qu'en réalité oublier si c'est cette radicalité qui nous a donné notre indépendance aujourd'hui qui fait n'a pas les journées aujourd'hui sur la scène internationale. À chaque fois trouver une situation, l'esprit de modération à prendre le dessus, parce que c'est lui-même que le système est posé pour le capable de rabouler l'esprit nous. Mais en termes de conviction, de certitude, de vision, de caractère, d'intégrité, de moralité, il nous faut des hommes qui ont époux, qui veulent épouser l'esprit de 1804 dans une perspective de rupture, de radicalisation par rapport avec ce système pour nous accoucher un nouveau système, une nouvelle société, côté que justice sociale, tout le monde a mangé, nous reconstruit, et son bidonville, finir avec de grands projets, des ponts, des infrastructures, avec une vision pour nous reprendre place, nous, au niveau de la scène internationale. Je nous habitue à faire depuis le premier siècle de l'indépendance.